L'Institut provincial Jean Jaurès propose de nombreuses formations dans les secteurs de l'art, du commerce, du tourisme, de l'éducation physique et de la publicité. Depuis quelques années, il organise un cursus complet en immersion linguistique en anglais. Il se distingue aussi par l'intégration d'étudiants à mobilité réduite dans l'enseignement secondaire traditionnel. Nous avons les quatre formes d'enseignement. Nous avons l'enseignement général, technique de transition, technique de qualification et professionnel. Une école qui vit, une école qui a des projets, c'est une école qui vit. Et les parents sont contents de voir que leurs enfants vivent autre chose, découvrent autre chose et une trajectoire scolaire digne de ce nom. Nicole Vanissoum est professeure en immersion linguistique. Elle enseigne l'histoire, la géographie, les sciences sociales, l'informatique et la biologie, le tout en anglais. Moi, j'ai commencé ici avec justement la section immersion et puis maintenant bon, je me sens vraiment très à l'aise avec l'équipe pédagogique et puis les collègues, le style d'école aussi me plaît beaucoup. Tout d'abord, je trouve que la situation de l'école est vraiment idéale. On dispose d'un très beau parc, de belles infrastructures. Et l'équipe, de nouveau l'équipe pédagogique, est vraiment très très intéressante, dynamique, motivée. Et j'ai l'impression qu'on peut tirer vers le haut les élèves qui seraient un petit peu plus démotivés par rapport à l'école. Nous avons un projet super intéressant que nous allons mettre en place dans les prochains jours, qui s'appelle Remédiatique. C'est de la remédiation via l'informatique. C'est donner la possibilité à des gens qui ont une petite connexion à Internet de venir chercher des informations relatives à leurs cours sur le site de l'école.